Monsieur Journac, vous présentez Courche-Virienne. Quel vous pensez à entrer à Moulins? Un petit peu décevant, pas réellement un parcours pour elle, hein, le rythme assez rythmé. Dans le rouge dès le départ, j'avais bumpy un petit peu entre les deux courses et elle manquait de ça. Maintenant, bah, c'est du moins qu'elle a besoin de courir, hein, Oui. tout simplement. Elle est en retard, plus ou moins. Juste, justement, là, elle a démarré tardivement, hein, au début de ses 5 ans, là. Voilà, bah, elle était prête à courir à 3 ans et bah, un problème osseux. Et après, bon, bah, du coup, ça s'est enchaîné et elle a pu débuter que. En début de saison, pas Angers. Ce jour-là, bon, c'était, il n'y avait pas trop de rythme, il me semblait. Mais quoi. Ouais, c'est une course. Ça n'avait pas roulé, c'est une course pour elle, hein. Une course pour débuter. Ouais. Maintenant, de là, ils l'ont pénalisé dur, je trouve. Hein. Ils ont mis une valeur de 58. Ouais. Je trouve qu'elle est. C'est trop élevé par rapport à. À ce qu'il vaut. Par rapport à ce qu'elle a battu, ouais. Et voilà. Hein. Mais bon, hein, ça c'est. Enlevons l'aspect mathématique. Juste maintenant, parlons d'Auteuil. Est-ce que vous pensez qu'elle a le profil pour aller à Auteuil? Non, elle a le profil pour aller là-bas. D'accord. Elle a le profil pour aller là-bas. Maintenant, bah, je pense qu'elle a besoin d'expérience. Ouais. Et rien ne rend pas cette expérience. Maintenant, elle est faite pour aller là-bas. D'accord. Elle a progressé sur sa rentrée de Moulins, probablement? Oui, elle est. On a intensifié le boulot et j'avais levé le pied, j'avais fait un petit peu une erreur et c'est pas vraiment d'engagement qui m'intéressait et du coup voilà, là j'ai marié. Hein. Fallait bien la courir en même temps, je suppose. Elle portait 70 kilos, ce qui n'était pas facile non plus, je pense, pour une deuxième sortie. Mais c'est une jument qui vous avait pas forcément surpris pour ses débuts en tout cas. Non, parce que c'est une famille propre. Hein. La mère, je l'ai eue, voilà, elle a juste contre elle qu'elle a pas d'expérience, parce qu'elle a débuté tard. Et voilà, et je vous dis que rien ne remplace la compétition, qu'on veuille ou non.